Xavier Strasser, c'est le troisième match de préparation durant cette trêve hivernale. Comment est-ce que vous sentez votre équipe après ce premier tour qui était un peu compliqué? Bon, si on parle du premier tour, ouais, c'est clair, il était compliqué au niveau des points. On a quand même quelques matchs où on aurait dû avoir quelques points en plus, je dirais minimum 4, qu'on a perdu dans les arrêts de jeu, surtout ces matchs-là, je retiens. Maintenant, pour ces trois premiers matchs de préparation, bah, on a joué contre Turc la première semaine d'entraînement où c'était vraiment pour jouer, pour se mettre dans un rythme de match, pour reprendre un peu nos marques. On a joué à Satigny la semaine passée où c'était un match très spécial. On a fini 7-7. Défensivement, les deux équipes chaotiques, on va dire, comme ça. Et aujourd'hui, ben, c'est un match un peu plus engagé où on voit que l'autre équipe aussi, qui est une deuxième ligue vaudoise. Et je trouve qu'on a une bonne évolution pour l'instant. Après, il reste 2 semaines avant le championnat et on a encore un match amical. À nous de bien faire pour être prêts le jour J. Alors on a l'habitude de voir Genolier-Bonien généralement en haut du tableau. C'est une équipe plutôt solide en deuxième ligue. Comment est-ce que vous expliquez que vous avez réussi à battre uniquement 3 équipes de ces 13 équipes en deuxième ligue? Alors l'expliquer, je peux pas trop l'expliquer. On va dire, je pense qu'on a eu un très dur début de championnat où on a enchaîné vraiment tous les 3 jours des matchs pendant... Je crois les 8 premiers matchs, on a joué tous les 3 jours. Donc c'est compliqué pour des amateurs. En plus, il faut penser que des amateurs qui arrivent de juillet, août, des vacances, où tout le monde prend les vacances au travail aussi. Donc ça a été compliqué au début. J'ai pensé que mon équipe était un peu fatiguée, donc mentalement, physiquement, après cette série de matchs. Ça a été dur, ce premier tour, très dur. Très déçu d'avoir que ce nombre de points maintenant. Mais maintenant, il faut qu'on recommence à zéro. Le deuxième tour en Suisse, que ce soit pour amateurs ou pour les professionnels, c'est un deuxième championnat. Donc je leur ai donné un objectif à atteindre et j'espère qu'on l'atteindra. Alors au moins, le point positif de ce résultat un peu mitigé du premier tour, c'est que vous êtes toujours en lice, en coupe. Une coupe dont vous êtes même champion en titre. Est-ce que ça reste désormais l'objectif principal de cette fin de saison? Non, je crois que l'objectif principal, c'est de se sauver déjà, parce que vu la place où on est et les deux équipes qui sont derrière nous, ils jouent l'un contre l'autre la semaine prochaine, match de championnat qui était en retard. Le premier objectif, c'est ça. Si on parle que de gagner une coupe et qu'on descend, je pense qu'à la fin, on est triste. Maintenant, c'est clair qu'en étant en quart de finale, on voit quelque chose arriver au bout. Et l'année passée, on a eu des émotions avec cette coupe. On va prendre le match par match. Hein. C'est clair qu'on ne va pas se mentir. Hein. Si on est là, ce n'est pas pour la perdre, hein, c'est pour la gagner. Maintenant, l'objectif principal, c'est de faire des points en championnat et de remonter le maximum possible dans ce classement. Et vous avez osé vous imaginer ce scénario d'une relégation en 3e ligue? Vous avez osé y penser? Ah non, mais moi, je l'aurais... En fait, si vous voulez la vérité, c'est que je leur ai dit qu'actuellement, on est relégué, pour moi. Et que si eux, ils veulent sauver le club, en fait, on doit être comme une mission. On doit être tous ensemble, solidaires. Que ce soit déjà l'entraînement, les matchs amicaux, les paroles. C'est tous des potes, malheureusement, de temps en temps, je dirais. Parce qu'ils sont très gentils entre eux. Et de temps en temps, j'aimerais bien qu'un soit un peu plus méchant. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'ils ressortent du terrain, ça doit être les meilleurs amis du monde, de toute façon. Mais... J'aimerais bien qu'il y en ait qui prennent ce lead. Ils commencent un peu à le comprendre. Et ça ne changera jamais leur ambiance d'équipe. Je pense que c'est plutôt pour les aider sur le terrain et pour devenir plus des hommes. Et du coup, justement, au niveau des joueurs, de l'effectif, est-ce qu'il y a eu des nouvelles recrues, des nouvelles arrivées est-ce que vous avez mis en place des nouvelles stratégies pour vous maintenir? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'au premier tour, on a eu énormément de blessés aussi. Donc les blessés sont revenus, donc c'est déjà ça. Ensuite, on a eu 2-3 arrivées pour combler aussi notre effectif. Il y a eu 2-3 départs qui n'ont pas beaucoup joué au premier tour. On a un groupe qui est là depuis longtemps, qu'on a construit aussi quand je suis arrivé moi. Que je pense qu'il y a un très très bon groupe de deuxième ligne. Notre classement ne le reflète pas. Et c'est ce qui peut être dangereux, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer cette relégation. En deuxième ligue inter, ils l'ont fait, mais pas en deuxième ligue. Et c'est ce groupe-là, avec les nouveaux, qui sont très bien intégrés. D'ailleurs, il y a des jeunes, il y a des joueurs qui sont venus aussi de Gingin. Et non, ça peut être un bon groupe pour faire un bon résultat ce deuxième tour. Maintenant,
faut être solidaire et il faut que ça tourne un peu dans notre sens. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Merci beaucoup et bonne suite. Hein. En vrai, deuxième ligue, c'est pas mal. Hein. Ça a commencé. Moi, je dois. Vas-y, parle, saute. Waouh. Voilà, là, ça commence bien. Attends, on te tue le but. On te tue. Fouille. Reprise. Voilà, c'est fort là dans ton casque. J'entends. Ouais, gros salaud! C'est ça, les gars, allez! Chut! Sors, Polo! Ah, c'est rien, Polo! Allez Owen, hein. Peut-être le jaune. Replay. Passe, c'est là.
Oh, bah reviens à la faute, non? Tu peux? Non. Quoi? T'es pas grave, allez! Et là.